On dit souvent que la Chartreuse est un cadre inspiré des Pères du désert, donc un cadre de solitude, de silence, qui permet à chacun de se mettre à sa manière à lui, à l'écoute de Dieu, à la suite du Christ. Notre tâche principale, c'est de vaquer à la prière dans la solitude et dans le silence, aussi extérieur mais surtout intérieur. C'est peut-être la plus grande tâche de cette vie-là, d'entrer dans le silence intérieur qui rend possible la présence à Jésus. Dont le maçon, nos révérends pères, a très bien défini les différentes protections, les différents remparts. Il y a le désert géographique autour du monastère, il y a la clôture, le mur de clôture autour du monastère, et pour les pères au cloître, la clôture de la cellule, comme s'il y avait une espèce de montée progressive jusqu'au sanctuaire. Donc ça fait une triple clôture, si on peut dire, mais pour précisément permettre de garder au maximum le plus important, qui est la clôture du cœur, la clôture intérieure, ce que les pères du désert et les moines après eux ont beaucoup développé, enfin tout le thème de la garde du cœur. C'est ça le plus important. Je crois que l'essentiel, c'est vraiment cette intimité avec le Christ à laquelle il nous invite et qui en Chartreuse, je dirais, prend une dimension d'absolu. Quand je suis rentré avant, moi quand j'étais prêtre, j'avais des paroissiens qui, pour eux, la solitude, c'est vraiment quelque chose de difficile. Quand ils ont su que j'allais en Chartreuse, c'était vraiment, ils disaient, mais c'est pas possible. Pour eux, c'était vraiment l'horreur, quoi, que d'aller vivre dans une vie solitaire. Non, au contraire, pour moi, c'est le rêve. Enfin, c'est pas du tout quelque chose d'impossible. Non, je crois qu'il faut être appelé à ça. Il faut avoir les aptitudes, aussi certaines aptitudes naturelles. La plus grande partie de la journée se passe en solitude dans la cellule. Une cellule qui est assez grande, qui a plusieurs pièces et qui est bien séparée du reste du monastère dans un lieu bien précis qui s'appelle le grand cloître. Il y a vraiment une vraie austérité, quelque chose d'assez rigoureux, quelque chose d'assez radical, surtout au niveau de la séparation d'avec le monde. L'unique nécessaire, c'est cette attention à Dieu le plus intense possible, quoi. Mais en plus, qui est l'essentiel pour une vocation, c'est d'avoir découvert dans ce silence une rencontre avec Dieu. On a deux grands temps de à peu près 1h45 le matin et 1h45 l'après-midi qui sont consacrés à l'étude et au travail manuel. Pour le travail manuel, en hiver, c'est surtout le sillage du bois parce que
les pères chauffent avec le poing, avec des poils. Et en été, c'est beaucoup le jardinage. Donc c'est deux choses, un travail vraiment physique, simple, qui permet à l'esprit aussi de s'apaiser, de laisser un peu de côté toute la partie intellectuelle, de se simplifier. Et puis aussi, on aime beaucoup chez nous la fabrication des livres. Donc il y a des frères dans leur cellule qui font la reliure, d'autres qui font la dorure des couvertures. Et donc, je dirais que ces trois choses-là sont un peu les principales activités manuelles, mais il y a toujours aussi d'autres. Silence et solitude de la cellule, avec cette part très importante de la vie liturgique, que ce soit donc les offices, mais aussi la prière silencieuse qui la prolonge en quelque sorte. Et celle qui structure la journée de la manière la plus évidente, je dirais, c'est la prière liturgique, et qui est en même temps aussi une caractéristique de la Chartreuse, cette prière liturgique de l'Église, donc le chant des psaumes surtout, tout au long de la journée. Elle nous rassemble trois fois par jour à l'Église, où tous les pères réunis chantent les offices canoniques. Donc d'abord les matines et les laudes à minuit à l'église. Puis le matin, il y a une deuxième réunion pour la messe conventuelle. En plus de cela, chacun des pères célèbre une messe en solitude, où chacun a une chapelle qui lui est désignée. Et le soir, vers la fin de l'après-midi, on chante ensemble le vêpre. Ce qui est très marquant, c'est frappant en tout cas pour moi, c'est qu'on voit Bruno est un vrai ermite. Hein, d'ailleurs, on le surnommait l'ermite qui est venu ici. Mais il est, dans sa vie, jamais on ne le voit seul. Jamais on dit qu'il est seul, qu'il a fait une expérience tout seul. Il est toujours avec d'autres. Toujours avec des compagnons, toujours avec des amis. On te laisse ce privilège. Donc c'est une sorte de mélange comme ça qui était déjà dans la vie de Saint Bruno et qui s'est transmis dans la Chartreuse, où on a une vraie vie solitaire, de solitude, mais on est avec les autres. Les récréations sont faites pour apprendre à mieux se connaître et à s'aimer. Tous les lundis, nous sortons, nous marchons ensemble pendant l'après-midi, pendant 4 heures de marche et nous marchons deux par deux, ce qui fait que nous pouvons avoir des discussions avec des confrères, et parfois très profondes. C'est-à-dire qu'on a, et c'est un moment très fort et qui fait grandir beaucoup la communion, ça. Quand on rentre en Chartreuse, on fait l'expérience de notre pauvreté. On est des hommes pauvres, vous savez, on est vraiment des hommes... C'est pour ça, on n'est vraiment pas au-dessus des autres, on est vraiment comme les autres, hein, comme les autres hommes. On est avec nos faiblesses, voilà. Simplement, le Seigneur, il nous donne une vocation, il nous donne une grâce particulière de vivre cette vie-là. Donc on n'y est pour rien. Nous aussi, on répond à la grâce, on répond à l'appel avec toute, je pense, notre générosité et notre désir de répondre à l'appel de Dieu.
La vie des pères, elle est justement rendue possible par la vie des frères et vice-versa. C'est-à-dire, les pères dans leur cellule ont absolument besoin des frères qui leur préparent et même apportent la nourriture, qui s'occupent de l'entretien du monastère, de la préparation du bois de chauffage, etc. Donc de toute la vie, de toute la subsistance matérielle du monastère et de chacun des pères. Et vice-versa aussi, les frères ont besoin des pères, surtout pour les sacrements, donc pour la célébration eucharistique chaque matin, mais aussi bien sûr pour la confession. Donc il y a une sorte de réciprocité dans les services, les uns des services plutôt matériels, les autres les services sacerdotaux, qui unissent de manière très très profonde la communauté. En plus de cela aussi, le repas commun que nous prenons tous les dimanches à midi et toutes les solennités, où tous, pères et frères ensemble, sont réunis. Dans l'église, du 18 au 25 septembre, semaine mondiale de prière pour la paix. Et il y a aussi à quelques moments de l'année des récréations de toute la communauté, où donc aussi pères et frères sont ensemble pour une bonne heure d'échange. Quand on est novice, on a le père maître qui nous accompagne. Après, on a le prieur. Donc, on a un confesseur aussi, ou un moine qu'on peut voir régulièrement pour nous aider, pour nous accompagner. Là-dessus, le prieur insiste beaucoup qu'on ne soit pas seul, ne pas être seul dans la vie de prière, dans notre cheminement personnel, parce que c'est dangereux. Ici, bon, la vie a aussi ses épreuves, ses sécheresses, mais le Seigneur, il donne des grâces intérieures, oui, des grâces. C'est le combat de la prière, hein, qu'on soit moine ou pas, à partir du moment où on prie, la prière est un combat. Hein. Donc nous, on est consacrés quand même à la prière, on livre notre vie dans la prière, donc... On est pleinement pris dans ce combat-là, dans le combat spirituel. Oui, il y a toujours le combat de tous les jours, et souvent même de toutes les heures, mais qui, disons, est un combat, une sorte de préférence continuelle du Christ, c'est-à-dire... On a toujours ces inclinations, je crois, vers un peu de paresse, un peu de laisser-aller, un peu de légèreté, un peu de se perdre dans ses souvenirs ou dans la pensée de ce qu'on pourrait faire maintenant dans le monde. Et je crois que ce combat, entre guillemets, c'est de préférer à chaque instant à ces choses qui se présentent cette attention à la relation à Jésus qui se vit uniquement dans le présent. C'est une vie très belle, très exaltante et très exigeante. L'un ne va pas sans l'autre. Si je n'avais pas cette certitude que le Christ me désire dans ce que je fais tous les jours et à chaque moment, et donc que tout ce que je fais me devient un moyen
de m'unir à lui et de vivre en sa présence. Je crois que sans cela, je ne verrais que l'aspect de ce à quoi j'ai renoncé, donc à une famille, donc non seulement à ma famille d'où je viens, mais aussi à la famille que j'aurais pu fonder, à tous mes amis, à un travail dans le monde. Mais en même temps, je fais l'expérience que cette présence du Christ et cette intimité qui est rendue possible par la vie en Chartreuse et qui a besoin de ces renoncements pour une plus grande liberté intérieure, et récompense mille fois tout ce qu'on a quitté, si on peut dire. Personne, en fait, n'est appelé à vivre pour lui-même, pour soi. On est tous appelés à vivre pour Dieu et pour les autres, pour se donner.